Les amis, bonjour à tous, c'est Thomasito, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite chanson, Gypsy King, Soy, un super gros classique qui est plutôt cool parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accords, chanson assez dynamique. Je ne le jouerai pas, et exceptionnellement, sur la tonalité d'origine, je vais te dire pourquoi. Sur YouTube, tu as ce qu'on appelle le Content ID, qui te bloque en fait, tout simplement, quand tu joues. Les musiques originales pour des questions de droit d'auteur, et il y a certaines chansons, beaucoup de chansons des Gypsy King que je ne peux pas reprendre officiellement en France. C'est comme ça, et vous êtes un peu moins de 70% à regarder la chaîne à partir de la France. J'en profite pour remercier tous les gens qui nous regardent aux quatre coins du monde. L'idée sera tout simplement de travailler Soy des Gypsy King sur une tonalité légèrement différente. T'inquiète pas, tu pourras quand même la jouer, la chanter. C'est une chanson qui se joue sur deux tonalité parce qu'à un moment, enfin sur la deuxième partie, tu as tout simplement la voix qui remonte un petit peu. Donc ne t'inquiète pas, c'est exceptionnel. En tout cas, Lucas, qui a fait partie de The Voice en Espagne, fera le plaisir de m'accompagner sur cette chanson. Les amis, prenez votre guitare, c'est parti pour Gypsy King, Soy et bienvenue sur la chaîne de Tomasito. C'est parti! Quelle machine ce Lucas! Il a une voix qui est soul, qui est extraordinaire. Je kiffe ce gars. La voix est complètement folle. C'est une chanson, comme je te l'avais dit, qui a une petite subtilité, une petite variante. C'est tout simplement que bah, tu vas changer de tonalité quand tu joueras. Rien de bien inquiétant, hein, rien qui fait peur. Le 6 septième, alors c'est un si majeur. Le si majeur, moi je le fais ici. Ce que je trouve un peu plus sympa, donc voilà. C'est la seule vraiment nuance et variante que tu vas avoir dessus. J'ai rien à te dire sur cette chanson. Excuse-moi. J'espère que cette chanson t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tomasito.
chose.